Welcome to Top Employers Inspire, 3 days full of insights on the world of work. We are committed to a positive impact on the world of work, and we want to inspire with purpose. Therefore, we share as many insights as we can from our top employers, our certified top employers. That's the reason why we do Top Employers Inspire. Just to name a few during Top Employers Inspire, obviously we already had quite a few sessions yesterday and one in the this morning. We still got UST tomorrow with driving diversity, equity and inclusion with social impact. We've got Nestle China on mentor networks, and we've got Coca-Cola coming up this afternoon. We've got a interesting session on neuroplasticity. So if you want to know how you can change your brain, then please also join in this afternoon. That is also what I would advise. Register for a couple more sessions. You might not be able to attend, but you will sure get the recording and the best results from joining Top Employers Inspire is by learning as much as possible as you can. For the next session, we are connecting live to France for a session with Groupement Loire-Bretagne, who will explain how they are giving purpose and vision through a shared company project. The session is in French, so please be aware you've obviously registered for it as well. The important thing is that we will connect to a different video platform, and that may have a different delay. So as soon as we connect to the video platform, it may take 5 seconds, 10 seconds or 30 seconds before their signal comes into ours. So be sure to stick around. Also, you can still use the current platform, what we are using now for the Q&A, if you have any questions on the interesting session. So for now, I'm handing over to Malvina in France, and maybe it may take a couple of seconds. Malvina, over to you. Loire-Bretagne. Cet événement s'inscrit dans 3 jours de partage de contenu RH exclusif organisé par Top Employer Institute, que nous avons intitulé Top Employer Inspire, et également dans la journée autour du sens au travail organisée sur Webikeo. Pour animer ce webinar, je serai accompagnée d'Olivier Dumarty. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis donc auditrice RH, je réalise des audits sur les pratiques RH, j'analyse et j'évalue les pratiques mises en place par les directions RH des entreprises qui rejoignent le programme de certification. Ainsi, nous permettons aux entreprises de travailler sur leur politique RH et de s'inspirer des bonnes pratiques en se comparant à notre benchmark. Et donc, Olivier, vous êtes directeur des ressources humaines et des relations sociales pour Groupama Loire-Bretagne. Tout à fait, Malvina. Alors, pour ce webinaire, je vous propose déjà de donner quelques informations sur Top Employer Institute, qui nous sommes. Donc, nous sommes un organisme indépendant qui certifions les pratiques RH de nos participants. Donc, nous avons 32 ans d'expérience, une méthodologie unique et globale de certification qui fait que nous appliquons les mêmes méthodes à tous nos participants à travers le monde. Nos participants vont donc être certifiés sous 3 sceaux de différentes couleurs qui apparaissent ici, donc en fonction de la localisation, ou bien nationale, ou bien régionale, ou bien internationale. Et en s'inscrivant dans cette démarche de top employeur, les directions RH donc, sont dans une dynamique d'amélioration continue de leurs pratiques qui bénéficient à l'ensemble de leurs collaborateurs, que nous avons chiffré à plus de 9 millions de collaborateurs impactés positivement par les pratiques RH de leur entreprise. Être top employer aujourd'hui, c'est rejoindre donc une communauté de 2053 entreprises certifiées à travers le monde dans 121 pays.
Alors, quel est le point commun entre toutes ces entreprises que vous voyez à l'écran? Eh bien, c'est d'avoir été certifié top employeur en 2023. Avoir passé avec succès notre programme de certification après un examen approfondi de leur politique RH. On y retrouve d'ailleurs le logo de Groupama Loire-Bretagne. Et les chiffres que je vais présenter aujourd'hui en illustration par rapport aux pratiques mises en place, eh bien, proviennent de toutes ces entreprises, donc que vous pouvez le voir, qui sont très diverses en matière d'activité, de taille d'entreprise. Elles ont été 99 à être certifiées donc en 2023. Et donc, ça va nous servir également pour ce webinaire, pour mettre en lumière certaines de leurs pratiques. Et je vais laisser donc la parole à Olivier pour vous présenter donc l'entreprise Groupama Loire-Bretagne. Oui, merci Malvina. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors donc Groupama Loire-Bretagne qui effectivement est certifié top employer pour la troisième année consécutive et qui d'ailleurs va poursuivre cette expérience avec top employer pour plusieurs autres certifications, en tout cas je l'espère. Et nous sommes donc une des 9 caisses régionales du groupe Groupama. Groupama Loire-Bretagne est une entreprise de plein exercice. Nous ne sommes pas des directions régionales mais bien des caisses régionales et d'assurance mutuelle. Nous comptons à peu près 2300 salariés répartis sur 6 départements, le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, avec 300 agences commerciales, donc avec des conseillers salariés de l'entreprise, et 6 sites de gestion, de back-office, de plateformes téléphoniques, d'équipes de gestionnaires, de souscriptions, de gestionnaires sinistres qui sont basés à Rennes, à Nantes, à Angers, à côté de Saint-Brieuc, à Vannes et à Landerneau, à proximité de Brest. Et notre raison d'être, la raison d'être de notre activité et de notre mode de gouvernance mutualiste, c'est que nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance, aussi bien leur vie professionnelle que leur vie personnelle. Et donc, Groupama est connu pour être l'assureur du monde agricole, mais évidemment, ça n'est qu'une petite partie de notre activité, environ 25% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes aussi et surtout l'assureur des particuliers, des professionnels, ce qu'on appelle les ACPS, artisans, commerçants, prestataires de services, mais aussi les collectivités locales. Groupama est le premier assureur français des communes de moins de 10 000 habitants, et évidemment les entreprises, que ce soit en direct, les PME, PMI ou les grands comptes régionaux ou via éventuellement le courtage pour des grandes entreprises nationales, voire internationales. Merci Olivier pour ce portrait de votre entreprise qui va nous permettre aussi de mieux comprendre par rapport à votre expérience que vous allez nous partager, d'où vous partez et comment vous êtes structuré. Alors, donner du sens, c'est un peu comme enseigner. On ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un. C'est assez personnel et dépendant de chacun en fonction de ses propres valeurs. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, c'est une attente forte de la part des salariés de savoir à quoi sert leur travail et d'avoir un sens dans leur activité. Les entreprises ont donc intérêt à faire en sorte que leurs collaborateurs se retrouvent dans une ambition partagée avec l'entreprise et que le projet d'entreprise soit en phase avec leurs aspirations. Le témoignage de Groupama Loire-Bretagne que nous allons vous présenter aujourd'hui est justement l'illustration de ce principe. En prenant l'exemple de la construction de leur projet d'entreprise, vous allez pouvoir voir effectivement à la fois ce projet d'entreprise en tant que tel, mais également le cheminement qui a été le leur pour construire ce projet d'entreprise et les différents moyens et leviers qu'ils ont mis en place afin d'inclure notamment les collaborateurs et de les aider à trouver du sens et à contribuer à renforcer leur engagement. Et juste avant donc de vous redonner la parole, Olivier, je vous propose de vous présenter quelques chiffres issus donc des données Top Employeur que nous avons donc recueillies cette année auprès de nos participants. Donc voici 3 exemples de pratiques issues de notre questionnaire. Ces pratiques montrent que les entreprises mettent en place des moyens pour que leurs stratégies et leurs objectifs soient plus accessibles et qu'elles soient comprises par leurs collaborateurs.
Car pour pouvoir adhérer à une stratégie, à une entreprise, à son ambition, il faut bien pouvoir la connaître et la comprendre. Et donc, le partage de l'information est primordial. Donc, pour aider les collaborateurs à mieux adhérer à l'objet de l'entreprise, il est important de mettre en place différentes pratiques. Et voici donc quelques exemples de pratiques mises en place par les top employeurs afin que bien les messages véhiculés par l'entreprise soient plus cohérents, plus clairs et plus compréhensibles pour les collaborateurs. Alors, pour l'exemple de messages plus cohérents, en exemple, on a cette première pratique qui apparaît à la première ligne. Donc, 93% des top employeurs certifiés en France affirment que la raison d'être de l'entreprise guide la prise de décision. Donc là, c'est un niveau vraiment stratégique, mais qui est important effectivement dans la cohérence des messages pour que effectivement aujourd'hui les collaborateurs puissent s'y retrouver. De plus d'entreprises aujourd'hui ont formalisé leur raison d'être. Donc la raison d'être peut être définie comme le projet de long terme dans lequel s'inscrit l'objet social de l'entreprise. Et il faut donc que les choix stratégiques de l'entreprise soient bien conformes à ce projet de long terme. C'est pourquoi les top employeurs vont se référer à cette raison d'être pour prendre certaines décisions, que ce soit sur des investissements, des activités. Voilà, ils vont toujours vérifier qu'ils sont bien en cohérence avec la raison d'être qui est vraiment le guide dans la prise de décision au niveau de l'entreprise. Donc, c'est voilà, un premier exemple des pratiques des top employeurs pour que à travers ces process internes, l'entreprise puisse délivrer donc des messages qui soient cohérents. En ce qui concerne la clarté des messages, on a un deuxième exemple de pratique mise en place par les top employeurs et on le voit, c'est largement également mise en place puisque 94% des top employeurs communiquent auprès de leurs collaborateurs sur les objectifs sociaux et environnementaux de l'entreprise. C'est une autre bonne pratique qui va permettre de montrer aux salariés les engagements de l'entreprise. Donc, à l'inverse du greenwashing qui a fait son apparition cette année dans le dictionnaire, eh bien justement, ça va aller renforcer le côté concret des engagements de l'entreprise en matière d'objectifs sociaux et environnementaux et ainsi rendre aussi plus mesurable l'engagement de l'entreprise et les collaborateurs vont donc plus pouvoir aussi s'y comparer, en tout cas se voir l'importance qui en est accordée par l'entreprise. Et donc, typiquement, voilà, en présentant la stratégie de l'entreprise et en présentant les objectifs sociaux et environnementaux, ça va permettre aux collaborateurs d'y prendre part. Et enfin, le rôle des managers va aussi être important pour communiquer la stratégie. Il ne suffit pas que les collaborateurs soient informés de la stratégie de l'entreprise, il faut aussi qu'ils la comprennent, qu'ils saisissent les incidences sur leur propre activité et qu'ils puissent aussi en comprendre les incidences et donc peut-être aussi plus se considérer comme eux-mêmes contributeurs à la stratégie de l'entreprise. Et donc, pour pouvoir mettre en place cette pratique, donc les top employeurs vont former leurs managers sur la communication de la stratégie. Donc, ça peut passer par des formations des managers et aussi sur des formations sur le leadership, justement, pour notamment insister sur le fait que les managers, les leaders sont aussi dans cette responsabilité de communiquer une vision pour leurs collaborateurs. Alors, suite à ces trois exemples de la façon dont les entreprises peuvent rendre plus accessibles leurs enjeux et leurs stratégies, je vous propose maintenant de passer à l'exemple très concret de Groupama Loire-Bretagne avec donc, ce projet qu'ils vont nous partager aujourd'hui. Merci Malvina. Alors, pour resituer un petit peu le contexte de cette démarche, qui constitue en elle-même un projet d'entreprise. La démarche qui s'appelait donc « Explorons les possibles » consistait à impliquer les salariés pour la construction du futur plan stratégique. Alors, le contexte, c'est que le précédent plan stratégique couvrait les années 2019 à 2022. C'était
un plan sur 4 ans. Et donc, il a été décidé fin 2021, tout début 2022, de commencer à préparer le plan stratégique suivant, couvrant les années grosso modo 2023 à 2025. Là, on est plutôt sur un plan stratégique à 3 ans. Et l'idée, c'était d'avoir une démarche participative, incluant un maximum de salariés et d'élus de la mutuelle, dans une démarche qu'on a baptisée Explorons les possibles, qui, comme son nom l'indique, visait à partir, si ce n'est d'une feuille blanche, tout du moins de partir vraiment de la base, du terrain, des salariés, des collaborateurs, de ceux qui pratiquent le métier au quotidien et qui sont les mieux à même d'en parler et qui connaissent le mieux les besoins de nos clients et de nos sociétaires, mais aussi la parole des élus qui eux-mêmes sont clients et sociétaires et donc qui sont les mieux placés pour parler de leurs propres attentes vis-à-vis de l'entreprise et donc de leur mutuelle d'assurance Groupama Loire-Bretagne. Et l'idée, c'était que toutes ces personnes-là, sur la base du volontariat, bien sûr, travaillent pendant l'essentiel de l'année 2022, on va dire de février à octobre 2022, dans la démarche donc, qui s'appelait « Explorons les possibles », qui consistait à faire remonter du terrain tous les éléments qui pourraient constituer le futur plan stratégique des années 2023 à 2025. Partant du principe, évidemment, que c'est ceux qui font le métier, c'est ceux qui sont en contact des clients qui en parlent le mieux et qui savent quelles sont les attentes du client parce qu'ils y sont confrontés tous les jours, soit en face à face dans les agences, soit au téléphone, sur les plateformes téléphoniques ou éventuellement au bout de la souris quand il s'agit de l'agence web ou du mail. Idem pour les élus qui sont des sociétaires, donc des assurés Groupama Loire-Bretagne et qui sont eux-mêmes clients et en contact au quotidien avec d'autres clients de Groupama Loire-Bretagne et qui connaissent les irritants, les attentes, les points de satisfaction, mais aussi les points d'amélioration. Donc l'idée, c'était vraiment de partir quasiment de cette feuille blanche et par ateliers successifs, par itérations successives. Ce sont près de 500 salariés sur les 2300 qui se sont portés volontaires pour travailler pendant 9 mois dans des ateliers pour faire remonter les éléments constitutifs du futur plan stratégique. On s'attendait à avoir entre 250 et 300 volontaires et on en a eu 500 et on a presque été obligé de reporter un certain nombre de candidatures parce qu'au bout d'un moment, trop de volontaires, ça devenait un petit peu ingérable en termes d'ateliers si on voulait être efficace et tenir le timing. Et aussi, c'est un nombre d'élus particulièrement importants qui ont travaillé en parallèle des salariés. L'idée, comme on est dans une gouvernance où il y a à la fois des élus et des salariés, c'était vraiment de faire travailler de front sur ce même plan stratégique à la fois des collaborateurs et des élus de la caisse régionale. Partant évidemment du principe que si le plan stratégique était construit par les salariés pour les clients, évidemment, l'appropriation par les collaborateurs pendant les 3 années de la durée du plan stratégique serait d'autant plus facile qu'évidemment, ils se reconnaîtraient dans ce plan stratégique qui n'aurait pas été construit, j'ai envie de dire, en chambre par un comité de direction accompagné par un consultant ou un cabinet de consulting. C'est vraiment les salariés qui auront construit eux-mêmes ce plan stratégique. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, bon, il y avait un accompagnement, beaucoup de salariés, évidemment, sur la base du volontariat. On a aussi veillé à ce que les salariés soient représentatifs des 6 départements sur lesquels intervient Groupama Loire-Bretagne et représentatifs, évidemment, à la fois de toutes les tranches d'âge, de toutes les tranches d'ancienneté et de tous les métiers, à la fois, évidemment, des commerciaux, mais aussi des back-office, des fonctions support et qui soient vraiment représentatifs de tous les métiers, toutes les activités de l'entreprise. Le résultat, évidemment, c'est qu'il y a eu une très, très forte adhésion. Ça a créé un véritable enthousiasme pour les salariés qui se sont vraiment appropriés la démarche et qui étaient non seulement volontaires, mais on n'a eu aucun désistement pendant la période de 9 mois, puisque c'était des ateliers qui venaient en plus de leur charge de travail habituelle. Donc, ça nécessitait vraiment des temps de préparation, de libérer du temps et de s'investir dans cette démarche, et personne n'a abandonné en cours de route, malgré la charge de travail. Ça a vraiment créé un élan et un enthousiasme pendant toute l'année 2022, et le résultat, c'est qu'on a vraiment un plan stratégique qui est le reflet de la réalité de l'entreprise, de la réalité des attentes des clients, mais aussi de la réalité des attentes des collaborateurs, dans une démarche de symétrie des attentions. Si on veut que nos collaborateurs apportent la meilleure qualité de service à nos clients,
ben, il faut qu'ils se reconnaissent dans le projet et qu'ils puissent transposer auprès des clients le projet qu'ils ont eux-mêmes construit pendant cette démarche « Explorons les possibles ». D'accord. Et combien de temps cela vous a pris de… Eh ben, on a initié la démarche en février 2022 jusqu'au kick-off, c'est-à-dire au lancement lors d'une grande convention qui a réuni les 2300 salariés de l'entreprise, où on a dévoilé le plan stratégique qui était au mois d'octobre. Donc, c'est quasiment 9 mois de travaux à un rythme assez soutenu, hein, d'ateliers, de remontées d'informations, de questionnaires, de verbatim, d'analyses, pour arriver à en sortir un plan stratégique avec trois piliers principaux. Donc, une démarche qui s'est inscrite dans le temps. Et voilà, on voulait vraiment prendre quasiment l'essentiel de l'année 2022 pour vraiment ancrer ce plan stratégique pour les trois années 2023-2025. D'accord, merci. On n'a pas précisé au début du webinar que, bien sûr, c'était un webinar interactif. Donc, on vous invite à poser vos questions directement dans le chat pour que vous puissiez effectivement interagir avec nous tout au long de ce webinar. On prendra le temps à la fin, mais si en cours de présentation vous souhaitez nous adresser vos questions, n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà. Donc, je vous propose effectivement de revenir sur un point d'importance qui est effectivement l'implication des collaborateurs. Vous l'avez cité à plusieurs reprises, Olivier, l'importance que d'impliquer les collaborateurs dans la démarche, collaborateurs volontaires, mais aussi qu'il y a eu vraiment un engouement dans ce projet. Et donc, c'est aussi des exemples que je vais vous présenter ici à travers donc, les différents moyens d'associer les collaborateurs dans ce type de projet. On peut voir également mise en place par les top employeurs. Alors, il y a différents degrés d'ailleurs d'implication des collaborateurs qui sont possibles. Et donc, parmi les pratiques qui sont listées ici, on va démarrer par un premier niveau qui est effectivement de donner la parole aux collaborateurs, de leur permettre de réagir et d'interagir avec l'entreprise. Et donc là, c'est en l'occurrence une pratique qui consiste à donner aux collaborateurs les moyens de faire un feedback sur la stratégie d'entreprise. Et c'est une pratique qu'on voit très répandue parmi les top employeurs en France. Donc, c'est vrai qu'avec le Covid et la plus grande multiplication des outils numériques aujourd'hui, c'est pas rare qu'on voit des entreprises qui mettent en place des lives directement entre la direction et l'ensemble des collaborateurs, où il peut y avoir des présentations, mais aussi des sessions de questions-réponses qui sont faites directement. Et ça permet effectivement aussi de bien de montrer le degré d'ouverture et puis d'avoir des questions en direct. Un autre exemple de comment associer les collaborateurs à la démarche, c'est de leur permettre aussi de suggérer des initiatives. Et donc là, on a l'exemple des boîtes à idées ou des systèmes de suggestion. 69% des entreprises top employeurs en France mettent en place des systèmes de suggestion internes pour promouvoir justement les idées de leurs collaborateurs et les mettre en place. Donc, ça peut paraître même un petit peu limité finalement par rapport à effectivement cette tendance qui est de davantage associer les collaborateurs. On a une autre pratique qui consiste donc à faire participer les collaborateurs à des solutions plus proches du terrain, à des réflexions d'ensemble dans des projets structurants qui peuvent être transverses comme les projets qui incluent donc le bien-être et la qualité de vie au travail. Et donc, on voit que, par exemple, 58% des top employeurs en France impliquent leurs collaborateurs sur le sujet du bien-être et la qualité de vie et conditions de travail. Et c'est en progression de 8 points par rapport à l'année dernière. Donc, une progression. Alors, bien sûr, ça ne remet pas en cause le dialogue social au niveau de l'entreprise, mais ça permet finalement d'avoir aussi des vues complémentaires et finalement d'associer les collaborateurs à la démarche en leur permettant de donner leurs idées, de participer à des groupes de réflexion, des groupes de travail,
en répondant à des enquêtes aussi, ça peut être un moyen donc d'associer les collaborateurs dans ces projets importants et qui concernent les collaborateurs au premier plan puisqu'il s'agit de leur bien-être. Et enfin, un troisième niveau d'implication des collaborateurs, c'est celui de leur donner carrément un rôle d'acteur dans le projet. Et en l'occurrence, on a pris ici l'exemple d'une pratique en lien avec les enquêtes d'engagement. Les enquêtes d'engagement qui, on le voit, sont aussi en croissance, de plus en plus mises en place au sein des entreprises. Donc, ils vont consister à interroger les collaborateurs sur leurs sentiments par rapport à leur environnement de travail, comment ils se sentent au niveau de l'entreprise, de la direction, de leur management. Mais écouter les collaborateurs, ce n'est pas tout. Il faut aussi leur donner les moyens de mettre en place des actions correctives, donc qui peuvent être mises en place au niveau de la direction, mais il peut y avoir aussi une implication importante des collaborateurs dans l'élaboration des plans d'action et dans la mise en œuvre des actions correctives. Donc, et là, c'est une pratique qui, on le voit, concerne environ 60% des top employeurs qui vont permettre donc à leurs collaborateurs de participer au plan d'action qui découle des résultats des enquêtes d'engagement. Donc voilà, on l'a vu, différents moyens d'associer les collaborateurs dans des projets transverses, des projets structurants, des projets qui vont impliquer donc les collaborateurs. Et donc, je vous propose, Olivier, de nous détailler aussi ce qui a fait au niveau de Groupama Loire-Bretagne et de ce projet Explorons les possibles. Son succès, c'est notamment l'engagement des collaborateurs dans le projet. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner quelques autres informations sur la façon dont vos collaborateurs se sont impliqués dans le projet? Alors, tout à fait, Malvina. Donc, comme je l'indiquais, Explorons les possibles, c'était donc une démarche collaborative de co-construction du futur plan stratégique de l'entreprise. Donc, ça a duré 9 mois, de février à octobre 2022, sur la base d'ateliers où tous les services, toutes les directions étaient représentées, mélangeant managers et non-managers. Il n'y avait pas d'atelier spécifique pour les managers. Les membres du comité de direction étaient, entre guillemets, noyés dans les ateliers et participaient aux ateliers au même titre que l'ensemble des salariés. Donc, il n'y avait pas de notion de hiérarchie dans les ateliers. C'était un petit peu tiré au sort et aussi pour veiller un bon équilibre, qu'il n'y ait pas des ateliers où il n'y avait que des commerciaux ou que des fonctions support ou que des fonctions back-office, que tout dans chaque atelier qui regroupait 10 à 12 personnes, il y ait des représentants d'à peu près chaque direction et des différents départements de l'entreprise, à niveau égal, la parole du directeur ou d'un manager valant la parole de n'importe quel collaborateur. On veillait justement pour bien libérer la parole à ce que des collaborateurs, des salariés ne se retrouvent pas dans des ateliers avec leur manager N+1 ou N+2 pour que tout le monde se sente absolument libre de faire remonter toutes ces remarques, tous ces apports et toutes ces critiques aussi sur le précédent plan stratégique ou sur la réalité de l'entreprise. L'objectif évidemment de s'améliorer et de continuer à progresser dans une logique un petit peu d'amélioration continue et de donner un nouveau souffle. Il ne s'agissait pas d'une rupture par rapport au plan stratégique précédent, mais d'une continuité, éventuellement d'une accélération, d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus vite, un petit peu plus haut. Et on avait besoin pour cela, évidemment, des collaborateurs. Alors évidemment, pour que le soufflet ne retombe pas pendant une période aussi longue, la communication était un élément absolument essentiel. Donc c'est évidemment des ateliers, c'est l'idée de mettre à l'ordre du jour de chaque réunion de service hebdomadaire ou quinzomadaire un point sur l'avancée de la démarche de co-construction Explorons les possibles. Ce sont des réunions Teams regroupant l'ensemble des salariés à intervalles réguliers et des points de passage, des points d'avancement très concret toutes les semaines ou tous les 15 jours pour maintenir l'élan, maintenir la dynamique, montrer le chemin qui a été parcouru, le chemin qui reste à parcourir et pour maintenir l'énergie pendant 9 mois de l'ensemble des participants. Donc vraiment dans ce genre de démarche, effectivement, une fois passé l'enthousiasme des premiers ateliers, surtout que
ben, au bout d'un moment dans les ateliers, on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on est dans la redite, dans la répétition. C'est vraiment important de communiquer, de continuer à encourager les équipes, à valoriser, parce que, comme je le disais tout à l'heure, en même temps, les travaux continuent, j'ai envie de dire, la vraie vie continue. Il faut continuer à servir les clients, il faut continuer à servir le développement commercial de l'entreprise en parallèle de tous ces ateliers. Donc, il faut à la fois avoir les pieds dans le quotidien, les pieds dans le présent, puis un peu la tête dans l'avenir et imaginer l'entreprise de demain. Alors, comme je le disais, hein, l'adhésion a été extrêmement élevée. On a quasiment été obligé de fermer les candidatures à un moment donné, quand on est arrivé à 450 ou 500 volontaires, parce qu'au bout d'un moment, ça n'était éventuellement plus gérable. Et à partir du moment où on était certain qu'on avait vraiment la représentation de toutes les directions de l'entreprise, de toutes les strates de l'entreprise, il n'y avait plus forcément d'intérêt à accumuler des volontaires en plus, et ça aurait pu nuire à l'efficacité du projet Explorons les possibles. Et donc, comme je l'indiquais également, cette démarche de co-construction était, alors, si ce n'est la garantie, en tout cas, ça permettait d'assurer plus efficacement une appropriation plus rapide du projet, hein, notamment quand on a fait le kick-off au mois d'octobre 2022 lors d'un séminaire réunissant les 2300 salariés de l'entreprise. Comme c'était vraiment l'émanation de travaux qu'un quart d'entre eux avaient menés au quotidien, sachant que ceux qui avaient participé aux ateliers, évidemment, ils en parlaient autour d'eux. Quand ils revenaient d'un atelier, d'une séance de travail, ils partageaient ça avec leurs collègues au sein de l'agence, ils partageaient ça avec leurs collègues sur le plateau téléphonique ou dans les bureaux, et que donc l'ensemble des salariés étaient déjà un petit peu affranchis de ce qui s'était dit dans les ateliers, dans les groupes de travail, et que même s'il y a eu le reveal, comme on dit en bon français, du plan stratégique, ce n'était pas non plus une énorme surprise pour tout le monde, puisque les gens avaient déjà été un petit peu tenus au courant, évidemment, et informés tout au long des 9 mois de cette étape de co-construction. Ce qui permet ensuite, derrière, de passer de la conception à l'action de manière plus rapide, c'est-à-dire que dès le 2 janvier 2023, le nouveau plan stratégique qui, lui, s'appelle Engagé, hein, Explorons les possibles, c'était la dénomination de l'étape de co-construction du plan stratégique. Le plan stratégique, lui, s'appelle Engagé 2023-2025. Et ce plan stratégique, eh bien, dès le 2 janvier, on a pu commencer à le déployer, à le mettre en œuvre après le kick-off du mois d'octobre, tout simplement parce qu'il y avait eu tout ce travail pendant toute l'année 2022 de co-construction, de maturation, qui faisait que, ben, quand on a annoncé le nom du plan stratégique et les différents piliers du plan stratégique, il n'y avait pas de découverte absolue, surtout que ça n'était pas une rupture par rapport au plan précédent, mais une continuité, une logique, il y avait une cohérence avec le plan stratégique précédent, ce qui a permis à tout le monde de se mettre en mouvement extrêmement rapide dans l'horizon des 3 ans, ce nouveau plan stratégique. Très bien. Je regarde, Olivier, si nous avons des questions. A priori, je pense qu'on pourra revenir sur les questions à la fin, du coup. Eh bien, passons à la dernière partie qui est sur, effectivement, l'après. C'est-à-dire, vous nous l'avez dit, Explorons les possibles, ça a créé une dynamique. Aujourd'hui, vous êtes en plein déploiement de votre plan stratégique, mais comment faire vivre dans la durée cette démarche, cet enthousiasme qui a été créé par ce projet réunissant tous les collaborateurs? Eh bien, voyons donc quelques exemples de pratiques des top employeurs pour faire vivre la démarche et éviter, comme vous le disiez tout à l'heure, que le soufflet ne retombe, parce que rien de pire finalement que des promesses, des projets auxquels on est heureux de participer et finalement qui après sont relégués suite à des changements de priorité et sur lesquels plus personne ne s'intéresse. Donc, c'est effectivement très important de faire vivre la démarche et de continuer à alimenter cette démarche. Alors, pour ces exemples, au travers donc des pratiques mises en place par les top employeurs en France, cette fois-ci, je reprendrai par rapport à différents publics, différents types de publics et différents acteurs. Tout d'abord, vis-à-vis des collaborateurs, comment faire
continuer cette dynamique, eh bien, ça peut être d'une part en leur confiant toujours un rôle dans la vie du projet. Et donc là, donc il s'agit donc de 67% des top employers qui vont désigner des collaborateurs en tant que champions du changement. Donc là, effectivement, c'est une pratique peut-être plus tournée vers le changement, quand bien même un projet d'entreprise, vous le disiez, c'est aussi parfois des changements, une transformation de l'entreprise. Et donc voilà, ça peut aussi illustrer ce type de démarche. Les champions du changement, ça va être des collaborateurs au sein des équipes qui vont avoir un rôle de relais, un rôle de communication, à la fois descendante mais aussi ascendante, c'est-à-dire qu'ils vont être au sein des équipes pour témoigner, passer certains messages, mais aussi être des porte-parole de leurs collaborateurs et éventuellement faire remonter des problèmes par rapport à l'adhésion, par rapport à des problèmes de mise en œuvre sur le terrain. Donc voilà, en donnant un rôle particulier à des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont proches de leurs collègues, ça peut être un moyen toujours d'associer les collaborateurs et de faire vivre cette démarche. Autre exemple qui permet toujours de toucher les collaborateurs, c'est un exemple lié aux pratiques RH et notamment à la cohérence avec donc le projet. Et en l'occurrence, il s'agit donc ici de donner des incentives, des primes ou des aménagements spécifiques en lien avec les objectifs sociaux et environnementaux de l'entreprise. Donc ça, ils sont 79% des top employers à mettre en place cette pratique, tout simplement parce que ça va permettre aussi de garder cette cohérence des messages. Si on veut promouvoir une entreprise plus verte, on va notamment inciter les collaborateurs à utiliser des véhicules électriques, ou ça peut être aussi autour de la rémunération collective comme les accords d'intéressement en incluant des indicateurs qui vont être liés directement aux objectifs sociaux et environnementaux. Ça peut être la réduction des déchets, ça peut être aussi d'autres exemples. Si on prend maintenant le périmètre des managers, un autre exemple donc de pratique pour faire vivre une démarche, c'est aussi de les impliquer. Et donc là, on a l'exemple des entreprises qui vont donner à leurs managers des objectifs en lien avec l'engagement des collaborateurs. Alors ici, ce ne sera pas forcément de faire une compétition sur le score d'engagement, l'enquête d'engagement, ça ne va pas forcément être le plus productif, mais au contraire, peut-être d'impliquer les collaborateurs dans les plans d'action dont je parlais tout à l'heure suite aux enquêtes d'engagement. Eh bien, si les managers sont eux aussi impliqués et ont des objectifs sur la mise en place des plans d'action qui suivent les enquêtes d'engagement, pour traiter les problèmes sur le terrain, mettre en place des solutions qui soient adaptées aussi en fonction de la configuration de leur équipe, ça va aussi permettre de faire vivre la démarche. Et enfin, puisqu'on est aussi sur des pratiques RH, comment les politiques RH peuvent elles-mêmes se remettre en cause pour toujours s'aligner sur la démarche. C'est l'exemple ici des top employers qui vont intégrer la raison d'être dans leur pratique RH. Ils sont 77% à le faire. Ça va être de réfléchir finalement aux pratiques RH, à la façon de recruter, à la façon de reconnaître les collaborateurs, de les promouvoir ou de créer aussi les conditions du développement de carrière, de la mobilité. Tout ça qui doivent être aussi dans finalement une vision cohérente et en lien avec la raison d'être. Voilà, donc différents types d'acteurs, différents types de pratiques qui peuvent permettre de faire vivre une démarche et finalement de toujours veiller à ce que les pratiques soient bien alignées et bien cohérentes. Alors, je vous redonne la parole, Olivier, pour maintenant nous présenter comment est-ce que vous envisagez la suite au sein de Groupama Loire-Bretagne et notamment suite à ce déploiement de votre nouveau plan stratégique.
Merci Malvina. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, le lancement officiel donc, du plan stratégique qui s'appelle Engager s'est fait le 6 octobre dernier en réunion des 2300 salariés de la Caisse régionale et donc est en cours de déploiement depuis cette date, enfin on va dire depuis le mois de janvier. Alors, en termes de suivi, il y a un comité de pilotage qui suit l'avancée du plan stratégique quasiment au quotidien et qui se réunit de façon voilà, quinzomadaire avec un suivi en comité de direction, là aussi tous les deux mois ou de manière plus rapprochée si nécessaire, sachant qu'évidemment le plan stratégique est une espèce de fil rouge qui va nous accompagner pendant les trois années qui viennent. Donc là aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, comme vous l'avez repris Malvina, une fois le kick-off du plan stratégique fait, ce qui est important, j'ai envie de dire le plus dur commence, c'est pas tellement la construction du plan stratégique et le lancement du plan stratégique qui sont les plus difficiles, c'est de le faire vivre ensuite dans la durée, pendant 3 ans, à la fois qu'il soit vraiment le fil rouge de toutes les pratiques au quotidien au sein de l'entreprise, sans non plus qu'il devienne complètement obsédant et qui remplace l'activité au quotidien. Mais voilà, il faut qu'on le suive à intervalles réguliers avec une chronologie relativement, une temporalité relativement serrée, sans non plus que ça devienne une obsession et que ça puisse au bout d'un moment créer un peu un effet de rejet si on en parle à longueur de journée. Cependant, il est conseillé. Alors, les éléments du plan stratégique sont intégrés dans les entretiens annuels d'appréciation de tous les collaborateurs de la Caisse régionale, c'est-à-dire que dans les objectifs fixés là, typiquement pour l'année 2023, il doit y avoir au moins un objectif qui est en relation, en lien direct avec le plan stratégique. Et c'est un objectif individuel qui doit servir le plan stratégique de la Caisse régionale. C'est une façon d'ancrer le plan stratégique au quotidien auprès de chacun des 2300 salariés de l'entreprise. Dans chacune des réunions de service que chacun d'entre nous peut avoir toutes les semaines ou tous les 15 jours, l'idée là aussi, c'est d'avoir en permanence un créneau hein, de 10-15 minutes réservé au plan stratégique pour voir un petit peu quelles sont les actions qui ont pu être menées en lien avec le plan stratégique depuis la précédente réunion de service, ou de s'assurer que toutes les actions, tous les projets qu'on mène ou qu'on lance vont bien servir ce plan stratégique, ou en tout cas sont bien en cohérence avec le plan stratégique. Et enfin, ce plan stratégique a un peu un effet collatéral, si vous voulez, qui nous a amené à travailler en parallèle, à lancer des travaux sur la refonte de notre ambition managériale, puisque dans ce plan stratégique engagé, il y a notamment un des trois piliers qui est de renforcer notre attractivité, en tant qu'employeur. En tant qu'employeur RSE, socialement et sociétalement responsable, et que donc, comme c'est un des trois piliers de notre plan stratégique engagé, on s'est dit qu'il fallait en profiter pour refondre notre ambition managériale, qui avait déjà été retravaillée il y a 6 ou 7 ans, et qu'il fallait un petit peu remettre au goût du jour, à la fois en tirant les enseignements de la période post-Covid-19, prendre en compte les enseignements aussi de la généralisation et des développements du télétravail qui vient directement impacter le rôle du manager dans l'entreprise, à la fois dans la fixation des objectifs, dans l'animation de l'équipe au quotidien et également dans le pilotage de l'activité et j'ai envie de dire la concordance des temps entre le lancement du nouveau plan stratégique engagé, les enseignements à tirer de la période post-Covid-19 et de la généralisation du télétravail, nous ont dit qu'on avait une ambition managériale qui commençait à avoir 5 ou 6 ans, qui était, dont beaucoup d'éléments étaient encore tout à fait d'actualité, mais qu'il fallait la retravailler pour les 5 ou 6 ans qui viennent et se projeter dans l'avenir, s'assurer qu'elle était bien en cohérence et en concordance avec le plan stratégique et qu'elle répondait bien aussi aux attentes des managers d'aujourd'hui et des collaborateurs d'aujourd'hui, parce que les attentes sociales et sociétales des candidats, des collaborateurs et des managers ont beaucoup évolué en 5-6 ans. Donc on voit que notre démarche Explorons les possibles, que notre plan stratégique engagé a aussi des effets collatéraux au niveau RH, notamment sur le plan de,
du pilotage de l'activité, du pilotage et du management des équipes. Merci Olivier. Alors, nous avons reçu depuis tout à l'heure quelques questions que je vous propose de traiter maintenant. Alors, on avait des questions de Thierry sur la façon dont la direction était impliquée, sponsoring, leadership. Alors, évidemment, le comité de direction est évidemment très, très impliqué dans la construction de plans stratégiques. Hein. C'est évidemment la direction qui a initié la démarche et c'est la direction qui a souhaité que cette démarche soit une démarche collaborative. Comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu, ce n'était pas d'avoir un plan stratégique qui soit construit en petit comité par le comité de direction accompagné de quelques consultants, mais on voulait vraiment que ça vienne de la base et les membres du comité de direction étant eux-mêmes participants à des ateliers comme n'importe quel autre salarié de l'entreprise. Ils n'avaient pas voix prépondérante, il n'y avait pas de droit de veto, ou ils n'étaient pas prioritaires. Ils étaient un parmi d'autres dans les différents ateliers. Et après, le rôle du comité de direction, c'était de s'assurer que les travaux, évidemment, avançaient, qu'on tenait le rythme, qu'on tenait le timing, que les restitutions étaient bien fidèles et conformes à ce qui avait été dit dans les ateliers, pour que d'atelier en atelier, eh ben, on puisse à chaque fois franchir des étapes un petit peu dans une espèce de, si vous voulez, un petit peu d'entonnoir et de tunnel, hein, et qu'on parte du plus large pour arriver à la fin à quelque chose qui soit structuré, qui soit compréhensible par tout le monde, que tout le monde puisse s'approprier et qu'on passe d'une démarche collaborative où on explorait les possibles à quelque chose où on est sur un plan stratégique avec des leviers en nombre limité, mais qui soit le reflet fidèle des échanges qu'il y a pu y avoir pendant 9 mois dans les ateliers. Merci Olivier. Une autre question de Thierry sur le projet toujours. Quels ont été les freins et les blocages de cette démarche, à cette démarche, et comment ont-ils été traités? Alors, il n'y a pas eu de frein, hein. Comme je le disais tout à l'heure, ça a généré un véritable enthousiasme. Il a même fallu un peu freiner l'enthousiasme et limiter le nombre de candidats. On s'est rendu compte, mais en même temps, ce n'était pas une surprise. On est dans une entreprise où les salariés sont toujours très, très volontaires, très demandeurs d'apporter leur contribution à la vie de l'entreprise et à la construction de l'entreprise. Donc, il n'y a pas eu de frein. Après, il a fallu canaliser les énergies, les guider, respecter les délais, les timings, même si on avait pris des délais assez longs, et puis s'assurer qu'à la fin, on avait un véritable livrable et que ce livrable il soit utilisable et déclinable pendant les 3 années de la durée de vie du plan stratégique. Mais aucun frein, au contraire, un enthousiasme qu'il fallait canaliser, qu'il fallait guider pour renforcer son efficacité. Pas de réfractaire au projet ou de... Non, comme c'était sur la base du volontariat, ben ceux que ça n'intéressait pas ne se sont pas portés volontaires et tant pis pour eux. D'accord. Merci. Autre question, alors je pense que ce sera plus pour moi d'y répondre. Peut-on dire que les objectifs d'une enquête d'engagement peuvent être ceux d'un questionnaire baromètre social? Je pense que oui, sachant que je pense que c'est à peu près la même chose entre questionnaire, enquête d'engagement et un baromètre social. L'idée à chaque fois, eh bien, c'est de mesurer le ressenti des collaborateurs par rapport à différentes dimensions qui sont liées à son environnement de travail. Donc pour moi, oui, je pense que c'est effectivement deux outils qui sont assez proches. On a également des questions par rapport à la certification Top Employer. Alors, une question de Thierry qui est, est-ce que Top Employer est-il une certification reconnue type ISO? Alors, Top Employer est une certification qui est octroyée par un organisme indépendant qui s'appelle Top Employer Institute. Mais bien évidemment, c'est une certification qui est reconnue au sens où voilà, les entreprises sont certifiées, que celles qui donc sont certifiées, enfin, que celles qui entrent dans le programme font l'objet donc d'un audit par un auditeur, qu'ensuite il y a des audits qui sont réalisés sur nos méthodes de travail au sein de Top Employer. Et qu'ensuite, on délivre un certificat officiel au niveau de la certification. Alors, voilà. Je peux rebondir hein, sur ce que vous venez de dire, Malvina, et je peux attester du sérieux de la démarche. Hein. Je peux même vous dire que
C'est même un dur labeur pour les équipes RH de Groupama Loire-Bretagne, puisque cette certification, on ne l'achète pas, elle ne nous est pas donnée, elle nous est octroyée après un audit de 400 pratiques RH qui sont vraiment auditées en profondeur, avec des éléments de preuve à fournir. Ce n'est pas uniquement du déclaratif. En plus, d'une année sur l'autre, un certain nombre d'items évoluent et changent, donc ce n'est pas parce que vous avez eu la certification une année que vous l'aurez forcément l'année d'après. Donc, ça nécessite un véritable travail extrêmement important de la part des équipes. Et l'intérêt, justement, ce n'est pas juste d'avoir un logo éventuellement en bas de sa signature ou de frimer sur LinkedIn. C'est vraiment aussi que c'est une démarche d'amélioration continue pour nous, pour les équipes RH. Alors d'abord, il y a une vraie fierté pour les équipes RH de se voir octroyer cette certification. Ça valide une grande partie de nos pratiques, mais ça nous permet aussi de benchmarker ce qui se fait ailleurs et donc d'être dans cette logique d'amélioration continue et d'aller chercher encore plus d'efficacité ou de pertinence dans les pratiques qui n'ont pas été validées par Top Employer. Ça permet de mettre, entre guillemets, les équipes RH en permanence en éveil, sous pression, j'ai envie de dire, à la recherche de ce qui se fait de mieux en France ou ailleurs, pour peu que les pratiques soient transposables éventuellement parfois d'un pays à l'autre ou d'une culture à une autre. Il y a des pratiques peut-être dans des pays anglo-saxons qui ne sont pas forcément transposables dans un pays comme la France. Mais voilà, c'est souvent très, très inspirant et ça nous permet, nous, de nous benchmarker à la fois sur nos pratiques, sur ce qui se fait ailleurs et de challenger aussi les équipes RH en interne. Merci. Merci, non, Olivier. J'ai pas été payé pour le dire. Non. C'est promis. Une autre question justement qui nous vient, qui est assez proche, mais justement peut-être sur aussi les effets par rapport à l'externe. Quels impacts a eu la labellisation Top Employer en termes de recrutement, volume de candidatures supplémentaires, qualité? Alors, c'est toujours difficile à quantifier de manière très précise, mais déjà, moi, je peux dire que la certification employeur, c'est déjà une vraie fierté pour les équipes RH. C'est une vraie fierté pour le comité de direction et globalement pour l'entreprise. Alors, vous avez toujours des détracteurs. Vous avez toujours des gens qui vont vous dire que cette certification, c'est du bidon, que vous l'avez payé, que ça ne vaut rien, enfin, etc., etc. Mais bon, ça, ce n'est pas grave, on s'en fiche. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même que on a des candidats, je ne saurais pas vous dire le pourcentage, mais on a quand même des gens qui postulent dans l'entreprise et qui nous disent « Ah ben, j'ai vu que vous aviez été certifié Top Employer ou que ça fait 3 ans que vous êtes certifié. » Et donc, il y a quand même des gens que ça attire, que ça rassure ou que ça intrigue. Et donc, ça peut quand même générer un certain flux de candidatures. Donc, c'est bon pour l'image externe, mais c'est aussi bon pour l'image interne parce qu'on communique aussi en interne. C'est un outil de communication interne vis-à-vis de l'entreprise. Ce n'est pas juste nous pour nous faire plaisir au niveau RH, au niveau du CODIR. C'est aussi que ça envoie un message aux salariés de l'entreprise pour leur dire ben voilà, vous êtes dans une entreprise quand même qui est certifiée Top Employer pour la 3e année consécutive. Et voilà, et ce n'est pas rien. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Voilà, mais voilà, ce n'est pas rien, c'est du sérieux, c'est un vrai boulot. Et ça, voilà, ça génère de. On a des messages plutôt sympathiques de collaborateurs qui nous écrivent en nous disant bah, bravo, félicitations, c'est bien, bravo, c'est une belle entreprise, etc. Donc, c'est aussi un outil de communication interne qui est important. Donc, il y a vraiment toute une série d'avantages. C'est bon pour les équipes RH, ça benchmark les pratiques, c'est un élément de fierté pour la DRH, c'est un élément de rassurance pour le comité de direction, c'est aussi des éléments de communication interne pour l'ensemble des salariés, pour les 2300 salariés, et c'est bon aussi pour l'image, pour la marque employeur derrière, et dans un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu, ben parfois ça peut faire la différence vis-à-vis de certains concurrents ou d'autres employeurs qui se disent ben, « je rejoins une entreprise qui est quand même certifiée top employeur pour la 3e année consécutive ». Donc a priori, c'est que c'est quand même, c'est pas des voyous. Merci Olivier. Depuis, nous avons eu de nouvelles questions qui vont porter sur plus votre projet. Explorons les possibles, notamment une question d'Émilie, les facteurs clés de succès. Pas juste les étapes, mais ce qui a fait que ça marche vraiment. Exemple, équipe récemment renouvelée, etc. Alors,
comme je le disais, il y avait une concordance des temps pour le lancement de ce plan stratégique. C'était évidemment la fin du précédent plan stratégique et l'arrivée d'un nouveau directeur général qui est arrivé en milieu d'année 2021. Donc, évidemment, le plan stratégique qui avait été lancé par son prédécesseur qui partait à la retraite a été poursuivi. Il restait, entre guillemets, 18 mois sur un plan stratégique de 4 ans. Donc, le plan stratégique précédent s'est continué. Et donc, l'idée, c'était… Ben justement, on avait du temps pour co-construire ce nouveau plan stratégique. Alors, les éléments clés de succès, c'est vraiment l'engagement du comité de direction, hein, évidemment. Hein. L'initiative doit venir d'en haut et il faut une véritable implication des membres du comité de direction. C'est-à-dire que le comité de direction ne doit pas faire à la place des collaborateurs. Hein, comme je le disais, hein, ça ne peut pas être une démarche qui vient d'en haut et qui vient d'un consultant et d'un comité de direction et d'une dizaine de personnes qui ont travaillé en chambre, en séminaire et qui ont pondu un plan stratégique formidable pour les 10 années qui viennent parce qu'ils sont tellement plus intelligents que les autres, qu'ils savent mieux que les salariés ou que les clients ou que les élus sociétaires ce qui est bon pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment… L'impulsion, elle doit venir du comité de direction et le comité de direction, il doit être exemplaire, c'est-à-dire que les membres du comité de direction doivent participer aux ateliers, ils doivent y travailler, ils doivent faire acte de présence, mais aussi, on va dire, de participation active, d'écoute active et ils doivent être présents tout au long de la démarche. Et après, ils doivent aussi animer des teams, animer des réunions, animer des séminaires, des réunions de service, pour faire des points d'avancement réguliers, des podcasts, enfin, etc., pour faire vivre la démarche. Donc, le comité de direction doit être à l'initiative et il doit accompagner la démarche tout au long de la démarche. Il doit être visible, il doit être présent, mais au même titre que n'importe lequel des 2300 salariés de l'entreprise. L'exemplarité et l'engagement du comité de direction, c'est primordial. D'accord. C'est ce qu'on retiendra comme principal facteur clé de succès. Merci. Nous avions également une question par rapport à l'accompagnement. Y a-t-il eu une formation, une sensibilisation à la gestion du changement? Alors, pas véritablement, parce que là, on n'est pas dans une logique de gestion du changement, on est dans une logique de co-construction collaborative d'un futur plan stratégique qui est la continuité du plan précédent. Donc, on n'est pas vraiment dans… Voilà, on n'est pas dans du changement. Par contre, il y a eu des formations de gestion de projet ou d'accompagnement ou d'animation de réunion, voilà, pour aider les animateurs, les ambassadeurs, tous les collaborateurs, le management aussi, à relayer cette information, à la valoriser, à l'expliciter, à faire œuvre de pédagogie, à travailler sur la reformulation, à la mise en forme, etc. Donc, ce n'est pas de la conduite du changement ou de l'accompagnement au changement, mais c'est de l'accompagnement à la co-construction, à la démarche collaborative. Merci Olivier. Nous avions eu d'autres questions, mais qui portaient sur effectivement la certification. Je pense que vous y avez répondu déjà. Il nous reste encore 4 minutes pour ceux qui souhaiteraient poser une dernière question et profiter de la présence d'Olivier et de son témoignage. N'hésitez pas. Alors pour mettre fin à un suspense insoutenable, quand même, que vous sachiez en quoi consiste ce plan stratégique, parce que là, on a parlé de la démarche de co-construction du plan stratégique, explorons les possibles. Donc, ce plan stratégique engagé, il repose sur 3 piliers. J'ai envie de dire que sa baseline, c'est Groupama Loire-Bretagne, plus que jamais acteur responsable et incontournable de son territoire, avec 3 piliers. C'est plus que jamais engagé pour rester performant, avec un défi majeur qui est simplifier notre réalité complexe pour ne pas l'imposer à nos clients. Le deuxième pilier, c'est plus que jamais engagé pour encore mieux servir nos clients sociétaires. Et c'est conforter la place du client sociétaire au cœur de nos dispositifs, au cœur de nos process. Et le troisième pilier, c'est plus que jamais engagé à incarner nos valeurs mutualistes et donc aussi à renforcer notre activité, notamment la marque employeur et notre activité en tant qu'employeur responsable. Voilà. Merci Olivier d'avoir levé ce suspense. Je sentais que c'était insoutenable. Ouais. En tout cas, je pense qu'effectivement, ça permet aussi de montrer la finalité de cette démarche et je pense que ça peut être aussi un bon moyen de conclure. Je ne vois pas de nouvelles questions apparaître. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on termine le webinaire ici. Je vais vous remercier, Olivier, pour votre participation, votre intervention. C'est un plaisir.
Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous étiez nombreux, mais j'espère qu'on n'a pas parlé dans le vide. Hein, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce webinaire. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de le co-animer avec Malvina. Plaisir partagé. Et nous vous demandons, si possible, effectivement, aussi de nous donner votre feedback au moment où vous fermerez donc la fenêtre, ou même, pardon, je crois que c'est sur votre écran, en haut de votre écran, vous trouverez donc un petit questionnaire pour nous donner votre retour par rapport à cet échange, et donc bien sûr nous faire aussi progresser par rapport à ce type d'événement et de contenu partagé. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci Malvina, merci à vous, à toutes et à merci. Tous, et à bientôt pour la prochaine certification, Malvina. Merci Malvina, merci Olivier. An excellent example of involving the employee, and especially thank you, Olivier, for such an amazing endorsement of Top Employers Institute. A great top employer with a great insight, and I hope looking at the interaction, I think the audience gained a lot of valuable insights. Next up, Coca-Cola Euro-Pacific Partners on how they deliver the digital employee experience. Do yourself a favor, sign up for that one as well, and register for some more, because later on we've also got an interesting session on how you can change your brain, neuroplasticity. Interesting. I hope to see you again in the next session of Top Employers Inspire.